Et bonjour YouTube, c'est parti, la gardienne, ascension numéro 1, c'est par ici, bon visionnage. Alors, on peut faire ascension, hein. En fait, aujourd'hui, c'est de faire le true last boss, du coup. Après, ascension 1, les îles sont plus fréquentes, et on peut faire le true last boss en ascension 1. Oh, ok. J'aime la saucisse et le pâté. J'aime la saucisse, un feu. Deux feux, trois feux. On va bien taper le double élite. D'accord, on se parle là. Dans le choix après. Le trou, last boss, oui. Last boss qui est trou. C'est à chaque fois bizarre, c'est de revenir en début de. Début de jeu, j'allais dire, quand t'as que quelques pouvoirs là. T'es à poil, t'as un gros build, et là tu reviens, t'as walpé, t'es là. Allez, plein de bourrage! Personne répond, j'ai vu que j'ai beaucoup de chance. Ouais, il est pas à péter le nouveau perso. Il y a un tas de builds qui sont pas forcément incroyables avec. 9, 17, c'est bon. Et on lui met 12. Potion de comp. Alors, oh! Ah, j'aime bien rajouter des perspicacités dans le jeu, faire de la draw comme ça. Bon, on s'en fout de perdre des points de vie, on a un thug, on n'est pas un thug. On passera peut-être par là, du coup, double feu, qu'un point de vie, on a des golds. Le trailer de Camelot est sorti. Ah, merci Monsieur Sable, je regarderai après le stream. Allez, on prend les points. Ah oui, c'est la mode ascension qui me l'a. Ok. On va se double se défoncer, tranquille. Si on éruptionne, on met 9, on le tue pas en un tour. Même avec les deux manas et... On prend Lazermie après. On prend 20, donc c'est un peu Lazermie 20. Tape à 10, du coup c'est vigilance. Frappe. On le tue petit à petit. Voilà, 6, 12, 18. Oui, le jeu est modable. C'est vrai que je ne parle pas parce que je ne mode jamais mes jeux. Je déteste modder les jeux. Mais effectivement, le jeu est carrément modable. Alors, ah. Oh. Ouais. Alors, jeune, quel est 3 de force et 3 d'extrémité? Ah, gagner un de moins. D'accord, j'étais là un de plus au début de chaque tour. Je suis là. Quoi? Ouais. Ouais. Je vais retirer une carte. De type frappe. De type frappe. Peut-être récupérer Bernard. Là, pour Bernard. Oui, Korbach, c'est celui-là où tu peux faire des votes. Effectivement. Bah, moi, j'ai pas tout fait dans le jeu, je suis à plus de 200 heures. Hein, pour donner une idée du contenu. Je suis à 200 heures de jeu, j'ai pas tout fait. Après, moi j'ai beaucoup spammé le jeu quand t'es avec les ascensions 15 et que 2 persos. J'ai moins joué depuis. Oh. Triste tout ça. On le tue normalement.
Parce qu'on gagne 2 mana vu qu'on quitte la stance de calme. Voilà. Large. C'est bien, ça permet de repasser en calme ça. Allez, on va forger. On va forger, on va forger. C'est en forgeant qu'on vient forgeron. Ouais, un de moins, c'est, ça change beaucoup. Maud, tu as déjà testé le jeu mobile Dungeon Tale? Non, je fais pas de jeu mobile. Je vous que en jeu mobile, je joue à Battleground, le mode Hearthstone dessus, et c'est tout. J'avoue que je joue très peu à des jeux mobiles. Donc ça, on sera en calme. J'aurais pu faire éruption avant, quel âne. Bon, je serai pas la prochaine fois. On jouera mieux la prochaine fois. Ouais, on est épuisé. Il va falloir faire un truc un peu sale à ce tour-ci, peut-être. Pas encore, donc. On va essayer de limiter la casse, hein. Parce que si on commence à prendre 250 000 points de dégâts, ça va pas le faire. Alors, Won't you take me to Funky Town? On peut éruption là-dessus. Peu perspicacité. Petite frappe. Sans crainte. Voilà, c'est le resuge de forme, du coup on prend beaucoup moins cher. Faire ça. Et ça. Voilà. Il lui reste plus que 20 à mettre par contre. Ou encore 20 au choix. Double draw. Niveau c'est gratuit. Éruption mais 9 et 12 qui font 21. Le compte est bon. Alors, brise articule, point vide, blabla, bof. On va continuer à forger l'éruption pour qu'elle coûte un de moins. Plus 1 dextérité, c'est l'instabeuil. Obtenir les doles dorées, on va juste prendre des points de dégâts. Alors, feu, élite feu. Ok, ça me va. Là par contre on va faire un truc de repos, parce qu'on n'est plus assez haut que 100 points de vie. Ouais, grand plaisir. Du coup, j'ai combien de cartes d'attaque pour l'instant? J'ai pas tant de cartes d'attaque que ça, vu que j'ai une carte défense qui est un peu. Allez. Ok, c'est les trois gaziers. Alors. Trop cher, c'est bien. C'est quoi se rappeler au feu? C'est pour le. Comment ça s'appelle? Le. La. C'est pour le. Pour avoir le trou last boss, pour avoir les 3 médaillons pour le trou last boss, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors. Attendez, ce tour est un peu compliqué. J'ai beaucoup de cartes à main. La sueur, quoi. Cet homme transpire. Sachez que cet homme transpire. Des points là, en fait on en prend beaucoup même. Ok, c'est pas mal ça. Aïe,
Non, non, se rappeler, c'est pour chaque perso. Chaque perso peut aller au trou last boss. Et je sais pas ce que ça fait quand tu finis avec tous les persos, c'est un trou trou last boss. Enfin, je sais pas quand ça se passe derrière. Bon, c'est la semi-sauce, mais faut bien réussir à avancer dans le jeu. Ah! Ah! J'aurais peut-être dû taper l'autre, aïe aïe aïe. On va vigilance, ça nous refait calme, on fait prendre plus de points de dégâts. C'est plus détente. Vache! Leave me alone! Ok, faut que nous mette 34. Jamais de la vie, on lui met 34. Par contre, on peut éruption, frappe, vigilance, défense. Ok, on prend pas de points de dégâts, c'est déjà ça. Quand tu trouves le troisième boss avec tous les persos, tu débloques les artworks temporaires des cartes. Merci Nostric. Merci pour l'info. Voilà. Ah, sympa ça. Alors, Clemrode, oui. Potion, oui. Sac de préparation, oui. Sac de mantra, bof. Ça dort mieux que tes autres potions, bof. Ouais, c'est un peu d'armure avec la dextérité bonus et tout, c'est cool. Oh, un marchand. Alors, à la toule. Cette fois-ci, on a la boîte à outils qui est là. Est-ce qu'il y a des trucs plus solides que la boîte à outils? Putain, ça donne quand même envie de faire fluidité plus retrait de carte. Hein. Ah, attends, c'est la boîte à outils quand même. Et la marque, je vous fais confiance. Bah moi je sais, bah c'est un nouveau perso avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles cartes. Bah un nouveau perso, je sais pas quoi dire de plus. Il est tout chaud, tout nouveau, tout beau. Alors. Ok. Oh, Médoc. Donc on va l'érupter. Donc il va me taper. Donc là on va pouvoir changer notre bail. On va pouvoir lui mettre 12. Faut de... Ouais mais j'entre en calme tout de suite. C'est quand même plus worse de repasser en calme. Ok, on fait notre étude. Pour son prochain, on n'en a plus besoin. Et ils vont sortir un cinquième perso. Ah, c'est des ouf. Les mecs, en nombre de DLC gratuits et de contenu gratuit, c'est le même niveau qu'Hollow Knight. Les mecs sont beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop OP ce qu'ils font. J'ai envie de leur dire, mais faites-moi payer quoi un peu. À un moment donné, faut être sérieux, faites payer. Oui, on peut le voir avec la carte, tu as une main et des fils, il y a une fille. D'accord. Bah, c'est stylé tout ça. Qui sort tant de trucs, en vrai. En vrai, c'est stylé qui sort tant de trucs. Gros Snakes. C'est pour ça que les Nets ont décidé de se calmer et de faire Silsong. J'avoue. Vous essayez de gagner un peu d'argent. Et quoi?
Oh, ils ont bien raison. Point vito, ça met au 2, donc c'est stylé. Et 4, c'est mieux, c'est plus d'armes. Ce serait quand même dommage de mourir sur ce boss. J'ai trop bonne sensation quand même. Le gros donut. Quelle idée de trop. On va l'érupter. On va perspicacité. On va le frapper une fois. Deux fois. On va se défense. Et fin de tour. Bonjour, Tiruk. Bien le bonjour à toi. Ok, donc il y a lui à tuer. On va double draw. On n'a pas de carte smork, c'est dommage. Bon, on va rester en mode énervé, hein, puisqu'il n'y a pas de grosse menace pour l'instant. Un petit tap à 32. Pas de grosse menace, une toute petite tap à 3. Et... on va vigilance, ça va nous faire changer de forme. On va prendre moins cher. 16, c'est mieux que 32. Érupte. 4 points de dégâts. On vire, parce qu'on en a pas besoin ici pour mettre les points là. On frappe. On lui met 12. Voilà, le prochain tour devrait être le bon. Hop là. Alors, on a le jugement. On va juger. Je te juge. Après, il y a leçon apprise qui est cool également. Mais je crois que le jugement, c'est mieux. On va juger. J'adore juger les gens. Ouais, Magic tellement stylé comme le Stoutero, c'est une excellente extension. Très très content qu'elle soit sortie et tout et tout. Teros, Teros. Ah là là. Ouais. C'est pas facile comme choix ça. Parce que le calme, on peut switch, ça donnerait un mana de plus. C'est pas ouf un mana de plus sur sortie de calme. Je prends l'étoile noire, mais les élites ils sont forts. Mais après, si je vais essayer de faire. Allez, on va se tenter les élites. C'est un peu ballsy. Merci Xapha. Produisez-moi de la taverne. Merci beaucoup. C'est un peu ballsy de tenter les élites, n'empêche. Il y a un feu là. De toute façon, j'ai pas le choix, quasiment un feu. Un feu, deux feux. Je crois qu'il peut faire deux sites. Allez, en avant. On va se tenter ça. Je suis pas très confiant en avant. Ouais, les sites niveau 2 sont violents. Dommage, je peux pas sur Magic. J'ai une question. Ah, mais tu peux poser une question sans problème. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas sur Magic que tu ne peux pas poser une question sur Magic. Ne t'inquiète pas. Ah, ça bug. J'arrive pas à voir ce que fait cette carte. Ça fait quoi, Chrysalide? Ouais, puis Chrysalide, on verra bien. Ah bah voilà. Ok, donc je me permets de voir. Hein. Je me permets de voir. Coup de poing vito. Oui, j'ai tué le cœur avec le guerrier, je crois uniquement. Je sais plus, j'ai tué une fois le guerrier. Avec le guerrier, et ça. Paraît-il que t'as un message quand tu as les. Tu as un message quand tu as le. Pardon, tu as un message. Pris quand tu as tué avec tous les boss. T'as un truc en plus, on m'a dit. Effectivement, un confluence extrême, t'as un par couleur par perso. Là, t'as une cinquième couleur. J'avoue, peut-être là-dessus.
Alors. Bon, sans jaille, hein. Tu penses test Temtem 1C4? Je ne sais même pas ce que c'est Temtem, Ronistam. Bah écoute, je suis sûr de le piocher vu que j'ai plus qu'une carte. Que je vais bolosser. Alors, je viens de voir ton deck Sénia Enchantement. Je trouve ton deck génial. Penses-tu qu'on peut mettre Siona? Alors, Siona vaut 4. Donc, si tu veux jouer Siona, en fait, il va falloir que tu montes à 23 terrains. Mais en soit, tu peux la mettre. Bon, ça c'est possible. Alors, bon, du coup, vous m'avez dit que faut... Omega, on va mettre ça. Hein. Ça peut péter quand même. Excusez-moi ça. Serait-ce pas un petit peu pété comme on dit dans le milieu? J'ai pas envie de prendre des points de dégâts là. C'est quand même un petit peu. 3 mana, Siona? Je confonds 3 et 4? Si c'est 3, il faut monter à 22 alors. Si c'est 3 pour Siona que j'ai confondu, c'est passe à 22 terrains alors. Donc c'est possible. J'aime la saucisse, j'aime la saucisse, j'aime la saucisse. C'est bien, c'est pété, mais c'est un peu long à mettre en place. Ah oui, c'est un peu long. Faiblesse, c'est bien, j'ai pas envie de prendre des milliards de points de dégâts. On sort de la stance comme ça. On peut le juger pour le tuer. Petit coup de chanceux. On n'a pas besoin du calme. Et ok, on défend. Comme ça, on prend pas de points de dégâts. Et on en a juré un sur les deux. Le bronze pont, non, ne sert à rien. La 3-3 pour 2, il sert à rien parce qu'en fait, il combat pas avec les enchantements. Bronze pot. Donc il est pas assez agressif dans le jeu. C'est un peu bizarre de dire qu'une 3-3 pour 2 est trop lente. Mais il est vraiment un tout petit peu trop lent. Ouais. Allez, il suffit qu'on repioche le chemin, on l'a tué. On l'a pas tué. Ok, il bloque et après il se casse si ma mémoire est bonne. Ok, éruption, c'est bon. Il va vouloir se barrer au prochain tour, on peut le tuer. Je te juge. Jugez. Alors, nous avons quoi? Une rage bouillonnante. Il n'y a rien qui est sexy là-dedans, malheureusement. Stop! Alors. On va prendre la thune, hein. On prend l'argent. Je pense que la compte pour 4 dont 2 blancs est rentable. Je dis, il faut que tu passes à 23 terrains, il faut que tu enlèves pas mal d'enchantements. Parce qu'il faut que tu vires 3 quarts de ton jeu. En soi, elle est rentable, mais le jeu n'en a pas besoin. Le CSN enchantement, parce qu'il est suffisamment agressif comme ça pour ne pas avoir besoin de rentrer des cartes à 4. Mais en soi, tu peux, mais ce serait une version un peu plus mid, je pense. Ah, mais le coup de passe 0. On va mettre le sadisme. Alors,
On va déjà le juger. Ouais. Donc il tape à 6 et 6, on commence par lui. Non, pivot c'est pas ouf, dans le cas présent. Coup de fouet. Vigilance. On va prendre pas prendre dégâts donc ça va. C'est mon personnage, tout à fait Ben. Tout à fait. Est-ce que la druide c'est un temps indispensable? Oui, vu que tu joues. Même si tu joues que deux couleurs, là pour accélérer, avoir 4 manas sur le T. En fait, vu que t'as que 20 terrains, t'as très souvent que 2 manas en main, donc elle te permet d'avoir 3 manas sur le T3 ou alors 4 pour pouvoir jouer Mass Spell. Donc on a éruption et tulle. L'éruption c'est un peu ballsy à ce tour-ci vu qu'on peut pas switch. On va donc juste faire l'étude. On va défoncer ça là, garder le fouet. Ah non, on a pas d'éruption donc le fouet est un peu moins fort. C'est quoi le relique? Un miracle au début de chaque tour. Donc c'est un mana en plus, une fois par fight. Ça devient comment cette chose en fait? En vrai, faut que j'arrive à faire un gros tour. 6, 12, 18, 24, on fait rien. Alors. Ok, là on peut s'enjailler. On peut commencer par une perplexité double don. Très bien. Donc on va érupt ici. Ça nous fait 2 mana. Voilà. On va le juger instant. Comme ça il est mort. On va pouvoir lui claquer une frappe. Un fouet. On va faire double draw car on chope un truc à 0. Non. 12, 16. On va faire double. Il manque juste un point de vie, mais en fait, genre, j'ai pas envie de prendre trop. Sinon, c'est plus gérable. Alors, chanceux plus, allez. Poursuite plus, c'est bien ça, mana gratuit. Hop. Alors, il y a quoi là-dedans? La fraise. J'ai pas de mantra. Bof. On va virer une carte un peu nulle encore une fois. Il y a beaucoup de cartes un peu nulles malheureusement. Beaucoup de cartes un peu nulles, on va virer ça, c'est vraiment nul. La quatrième relique, ça donne de la thune en plus. Allez. Et on aime les fraises. On va forger quelque chose un petit peu dans ce Schmilblick. Jusque 40, c'est bien 40. 40 points de vie, le jugement plus, c'est vraiment value, notamment pour les élites. Non, notamment parce qu'ils sont en 49. Alors, on va chrysalide. C'est pas ce qu'ils font au premier tour. Ah si, tap 19, waouh. Le bouton de secours est quand même bien. Attendez, ça fait 6, 17. Genre, en fait, on peut faire ça. 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 Le dire, dégage-tu, pu. Et gagner 31 d'abus pour pas prendre de dégâts. Ça sert pas mal quand même. Ça sert pas mal. Ok. Tu aimes les fraises, rejouer avec Céleste. Laissez-moi tranquille avec Céleste. Céleste n'existe pas comme jeu. Alors, on peut plus gagner d'armure pendant ce tour, donc à prendre nos 20. Bon, ça on s'en doute un petit peu. Est-ce qu'on peut érupter? J'en fais 9. 9 plus... Ouais, si ça passe, on va érupter dans tous les cas. De toute façon, on peut pas gagner de points de vie. On va faire 9. Petit coup de fouet. Et on va passer en calme, vu qu'on prend que 17. Ça va. Et là on peut rejouer. Très bien.
Putain, j'ai rien que fait des points de grandeur du jugement. Si, j'ai ça quand même. Si, je le sens crainte aussi. Ouais. Trop tôt, Exécutus, trop tôt. Justice sera faite, en vérité. Alors on va pour le tuer. Large. Allez, l'élite bien passée, double relique, nice. Ouf, yes. Ah. Alors, on a Daimaru qui donne de la mantra, potion incolore. Ah. Ah, c'est les prochains. Lorsque vous changez de potion, on gagne 4 d'armure. J'aime bien la forteresse mentale. C'est esthétique. Conservation, c'est gratuit par contre. Changer le destin et booster pour changer le destin. Quand Ravnica sort du standard, septembre prochain, t'as le temps. On va regagner des points de vie parce qu'on veut tenter le deuxième élite dans la foulée. Parce qu'on a un thug. Point de stylo, double attaque pour le cinquième. En avant. Allez. Donc, sombre chaîne, piochez une carte, puis piochez une carte sur votre pioche. Bof. Après la sombre chaîne. Ok. Donc, vigilance. Éruption. Sur lui. Parce que toi, tu pues. Ah ouais, c'est juste parce que t'es trop fort. 22. 18. Tout laisser. Fouet. Sombre crainte. On ne prend pas de dégâts. Parfait. Un très bon premier tour. Je fais pas 12, donc je peux pas le tuer. Quand ça blossellera. Faire ça. Pas 30 trop cher. Fera un truc du projet de faire un deck budget sur Magic? Non. J'en ai parlé dans mes vidéos pour commencer au Pro Magic. Je ne ferai pas de vidéo deck budget. Point vito, ça met les points de dégâts même s'il est, voilà, protégé. Et enfin, le jugement sur le rat. Alors. Si vous êtes calme, fluidité, c'est bien. C'est de l'armure si on est calme. Je suis quelqu'un de calme dans la vie. C'est parti pour le boss. Bonjour, Rendenem. Bonjour. Quand tu fais la carte pivot, le bonus stack n'est pas perdu à la fin du tour. D'accord, merci, je savais pas. Alors, bois, bois. Prendre subtilité, hein. C'est parti. Petit fouet. Allez, ça on joue ça. On joue la poursuite. On joue le fouet. Et derrière, on peut faire étude et fluidité en avant Gagant, hein. Étude, pièce, fluidité et en avant. Donc, il tape à 18, il a encore la défausse. Yes, c'est vrai que ça peut durer jusqu'au prochain tour, c'est intéressant ça. On peut, on est au calme, on n'est pas encore au calme. On peut faire les points là. Rien d'incroyable là-dedans. On peut mettre un fouet pour ajouter une faiblesse. On peut mettre sans crainte pour faire entrer en haut le calme, ça donnera 5 d'armure, qu'on a le bonus.
pas besoin de ça, de toute façon on n'a plus de mana. On passe tranquillement le tour. On passe à 8 d'armure, du coup on ne prend que 4. Ok, on devrait pouvoir le tuer à ce tour-ci, je pense, avec la perspicacité. Yes, c'est bon, fait éruption. Les 22, et on le juge pour le finir. Nice. Alors, le bracelet Juzu. Une carte attaque sont toutes bonusées. Oh, forme de Deva là. Oh là là, forme de Deva. Oh là là. Instant pick. Instant pick la forme de Deva. En plus, on a encore pas mal de points de vie, c'est nice. On va la forger instantanément. Elle est là. Allez. Voilà. Un marchand, intéressant. Infliger 20, piocher 2. Deuxième fluidité, c'est cool. On va se la faire, deuxième fluidité. Ça va rendre plus de points de vie. Let's go. Bah la bombe, hein. Everybody needs a bomb. The bomb. T'as pas 15. Vigilance est gratuite, c'est cool. On est en plus au calme, donc on va gagner 10, donc ça c'est bien. On va poursuivre juste. Donc on passe à 19, tranquille. Alors. Point vito gratuit. Peut-être pour le juger d'ailleurs. Il tape à 22. Parce que c'est gratuite. Pas pour le juger malheureusement. Vigilance. Frappe. Allez. Jugement le tue. Il ne veut pas être jugé le coquin. Donc ça va. Ah, Super Patrick Étoile. Mais je t'en prie, quelle sera la musique que tu voudras choisir pour la fin de ce live? Alors, non, rien d'extraordinaire là-dedans, malgré quel choix. Allez. Hello Elosia. Allez, time for boss. Ouais, 6 points de dégâts gratuits à prendre, c'est pas ouf. Oh, forme de Deva instant, ça fait plaisir ça. Avec la marque. C'est Patrick Atoile, j'ai reçu. Je l'ai reçu. Allez, y'a la mif. Gagner quelques points de vie. On va pas jouer l'éruption dans l'instant. On va remettre une fluidité, c'est la base. Ensuite, on a le droit à un chanceux là-dessus. Ensuite, fouet. Comme dirait Bernard. Allez.
Donc ça commence à tapoter. On peut mettre 12 et 12, 24. D'accord. 18 en fait. Ça fait pile poil bon. Donc on peut mettre la frappe là. Voilà. Du coup, t'as le jugement qui rentre. Récupère persévérance. On a besoin de jeu persévérance tour-ci, donc on peut la garder justement. Pour le côté un peu retenu. Voilà, il vole sans crainte. Il n'a pas volé grand chose longtemps lui. Du coup, on a le coin. Toss a coin to your marmot. Claquer les sous. Dépenser. Sans compter. C'est un bon tour, mais vraiment plein de points de dégâts. Tu peux faire éruption et passer sur calme avant l'attaque. Alors si dès que tu passes sur calme, tes dégâts ne sont plus x2. Donc tu peux, mais... Ouais, c'est vrai, il faut que je change de... J'étais un peu inquiet, c'est bon, je vais repasser en calme. J'ai eu un petit moment de doute, hein, je ne vous le cache pas, j'ai un petit moment en mode what. C'est un peu plus ça. Voilà. On a pas pris tant que ça, heureusement. Le jugement, c'est pas pour tout de suite. On va perspicacité. Point vito. On va perspicacité. Poursuite. Frappe. Fouet. Jugement. Défense. On le juge. Oh, ça ne marche pas, triste. Oui, l'attaque change au calme le x2. Tout à fait. Tout à fait. On a vigilance à 7 mana pour tout faire. Donc le retour des points vitaux. La draw déjà. On a quand même 11 mana mine de rien. Allez, c'est parti. Où est-ce que... Oui, on peut changer de sort. Il n'y a plus 4 points de vie, j'ai pas fait gaffe. Oh là là, la forme de dieu en plus. Je te juge. Juger. Allez, on prend la thune, la vitesse. Et deuxième forme de vanne, non. Blasphème. Montrant d'éviter mourir au prochain tour, non. On va prendre la leçon apprise dans le doute. Alors. On va prendre la cage vide, hein, vu qu'on a le deva et tout et tout. Allez, on va prendre la cage vide. Pivot au final c'est nul. Bon. Oh chouette. L'escargale. Allez 1 2 3 boss. Ok 1 2. Non. Ok c'est ce qu'il y a de mieux. Tac tac. Allez c'est parti. Bonjour les dommages. Alors. Ouais. Ah merde, je vais pas prendre ça. Quel con. Nul. Ce streamer est nul. Allez, on prend la dose. Aïe. Et aïe. Ok. Hmm.
pas si. Pas de dégâts de ça que je fais. Parfait. C'est bien ce que je me disais que c'était pas des dégâts d'attaque. Bon, je joue un tour. Car nous sautons. On va faire double persévérance. En fait, ce qui va nous permettre du coup de faire le jugement là-dessus. Sans crainte là-dessus, on va prendre 3. Et derrière, on le juge. Et c'est good. Voilà. Ouf. Alors, nous avons changé le destin. Gagné 7 points de vie. Quittez votre position. Bof, tout un miracle. Enfin, on change le destin. Ça met des points de dégâts. C'est boosté. C'est plutôt OP. Alors, on transforme une carte. YOLO, hein. Frappe, défense là, elle pue du cul. Ah, au pire, c'est mieux. Pas le temps de voir ce que c'est. On va dire que c'est mieux. Bonjour, je voudrais dépenser de la thune. Alors, 125 pour virer une carte. 4, sable du temps, c'est cher. J'ai pas 4 avec mon jeu, en tout cas rarement. Retenue, gagner 12 d'armure, c'est bof. Mutation de la bataille, c'est bof. C'est quoi ça? Les ennemis des combats d'élite ont 25% de points de vie à moi. Ah, bon, on va prendre ça. Que j'ai envie de copier quelque chose et que dans mon jeu, moi, non. Alors on va grid, on va prendre l'insecte préservé. Peut-être une petite peau pour apprendre. Un coffre, joli. Oh, nunchaku. Et on va perdre. Le soin a pris ce qui est 2, il n'y a plus beaucoup d'ennemis. Il marchera plus des masses. Il manque 16 points de vie pour le boss, sachant qu'on est une fraise, donc il manque 7 points, 12 points de vie. On va le grid. On va pas grid, pardon, on va prendre les points de vie. On va essayer de se faire l'élite. Oh, des pertes, tiens, on va les tenter. Ok. C'est la merde, je veux surtout pas. Ah non, nul, je suis nul. Bon, allez, c'est parti. Ok, Nemesis, avec moins de points de vie, c'est bien. Alors, ouais, du panache. Je joue souvent 5 cartes pendant mon tour en plus. Donc, ça fait une. Deux. Ah, très bien, c'est celle qu'on peut taper un tour sur deux, c'est ça? C'est celle qu'on peut taper un tour sur deux, c'est bien ça. Et qui du coup va nous mettre la sauce à ce tour-ci parce qu'on a rien pour se défendre. C'est la vie. On devrait pouvoir le tuer à ce tour-ci, on devrait pouvoir jouer 5 cartes. Ça fait 1, 2, 3, 4. 5. Ben voilà, très bien. Ah. Alors, branche morte. Ok. Lanterne. Ok, cool la lanterne. Alors, jeune, gagner 3 de force, gagner 1 de moins. En vrai, jeune, ça va vu qu'on a le truc d'Evra là, ça va jeune. Le jeune c'est trop bien vu qu'on a le truc d'Evra là. Allez, va pour le jeune.
Service Atlantique. On va sauver pour pas prendre de risques. L'élite numéro suivant. Oh, la tête. Je suis content qu'il ait perdu plein de points de vie lui. Alors. Bon, le panache. Le panache. Panache et panache. Alors, forme d'Evra. Panache. J'aurais dû le mettre dans l'autre or. Je crois que ça change grand chose. Une carte Alpha Cast. Ok, ça a l'air de bien se passer, je pense. Oui, oui, 4, tout ça, tout ça. On va prendre quelques points. Donc on a le jeune, on a bêta, donc on peut jouer le jeune. Carte. Parce que c'était deux cartes. Bêta, trois cartes. Nirvana, c'est cool. Allez. Maintenant, quoi pour s'enjailler normalement. Alors. Prochain tour, pardon, on s'enjaille. Donc là, on peut faire le méga. Le chanceux. Je laisse la poursuite au-dessus. La frappe, persévérance, on prend les 50, et c'est parti pour le combat. On a un second Nirvana, très bien, donc on va le poser. Ensuite, une perspicacité c'est une draw, deuxième perspicacité c'est deux draw. On peut éruption, on entre une fois la poursuite, on entre une deuxième poursuite. On entre un fouet. On entre une frappe. Des points vitaux. Un sans crainte. Et on gagne moult armure avec persévérance. On prend 50, mine de rien. Voilà au prochain tour. Ah non, mais là je fais une sortie un peu piggy 18 là. Donc on switch de forme, ça met des points de dégâts. Et on va finir par le juger. Je te juge. Ah, j'aime quand t'as plan 0 sans accro. Alors, un oreiller royal, une ceinture de potion, une décoction, et on a évaluation, oui, qui rajoute de la draw, plus ça, c'est bien. Attends, on est contre quel boss? Ah non, il est contre l'escargot, c'est mort. On est contre l'escargot, c'est mort. Ah, c'est une carte un peu nulle. Perdez votre tour, obtenu relique. Bon, oui, hein. C'est pas comme si ça faisait grand chose. Allez. Toujours ça de gagner un tour de faiblesse. Puis je trois cartes épuisement. Allez. Ok, ils sont très gentils, il ne faut rien ce tour-ci. Un triple draw. Ah ouais, c'est vrai qu'on a un nombre limité de cartes en jeu. J'oublie toujours ce détail. Alors on peut faire éruption, poursuite, consécration. On pourra toujours switch sur une vigilance si on fait attention. De toute façon, personne ne fait de points de dégâts à ce tour-ci, donc on n'est pas obligé de faire des trucs de ouf. Donc on peut déjà commencer pour une éruption. Du coup, consécration qui dit ça tout le monde. Voilà. On peut du coup le défense comme ceci. On a un coin to your marmotte ici. On a derrière une poursuite à 22 par là. Rajoutant plus 30 points de dégâts ici.
faire une fluidité au prochain tour de réduction, on va mettre la 14. Ouf. Il y a une date de dispo sur ce perso sur les adversaires du jeu. Je n'ai aucune idée, Drosophile. J'avoue que je me suis pas renseigné. Il joue pas sur Switch. Ah. Huile. Ok. Parce que je change de position, 6 d'armure, ça va être bien ça. Forteresse mentale boostée. Il manque 7 points de vie. Est-ce qu'on peut forger un truc craqué? Ouais, plus de points de vie. Faire le taf. Allez, c'est parti. On veut des pouvoirs contre lui. On veut des pouvoirs. Donc, une carte, deux cartes, trois cartes. Quatre cartes. Cinq cartes. Six cartes. On va s'arrêter là pour rejouer 6 au prochain tour. Ouais, les popos, bien sûr. L'énergie, des fossés, les cartes pour en piocher, piocher 5 cartes, ça, tout ça. Je sais, je sais. Mais pour l'instant, c'est bon, on est bien. 9-22. Je ne vous ai jamais aimé. A bientôt, Loralek. Des bisous. On a la forme de Deva, donc parfait, ce qu'on voulait. C'est une carte. Deux cartes. Très bien. Du coup, on pourra jouer deux cartes au prochain tour seulement. Tape à 42. C'est un beau chiffre. C'est un chiffre que j'aime beaucoup, 42. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc pour l'instant, 4. J'ai tous les pouvoirs du monde, quoi. Je... N'importe quoi. Ah oui, les malus qu'il faut piocher moi en fait, je me disais bien. Ok. Il faut encore jouer 6 cartes donc. Une carte. Deux cartes. Trois cartes. Quatre. Une dernière. Ok, c'est son nouveau tour. Donc là il tape à 90, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne va pas taper à 90 normalement. Une carte. Par la même main. Par la même main. Ok, on va pouvoir faire des trucs bien, on lui met 30. On va pouvoir repasser en format calme ou quoi de plus détendu. Faut juste bien que je calcule. Ok, il me reste 5 mana, je peux encore jouer 5 spells, je peux pas encore le juger. C'est l'air balance, oui, non mais regarde le nombre de reliques que j'ai aussi. Effectivement, si tu regardes ça comme ça, ça n'a pas l'air très très balance, mais j'ai quand même un certain nombre de reliques.
J'ai quand même un certain nombre de reliques. En fait, j'ai fait une run étoile noire. J'ai tenté l'étoile noire, j'ai fait tous les élites que je pouvais. Donc du coup, j'ai plein de trucs. Et il faut que je fasse sans crainte, par contre. Ouais, c'est ma 10e attaque, faut que je sois sans crainte. Ouais, bah sans calme, du coup. Voilà. Fait moins de points de dégâts, on va faire une évaluation quand même. Persévérance, on a pas besoin. On a pas besoin d'évaluation quand même pour limiter la casse. Ok. Ah merde, je suis à 11. Oh, quel con, je peux jouer qu'un sort au prochain tour. Aïe aïe aïe, heureusement il se boost. Oh, je fais de la merde. Faut que je sois un point vite. Ah, c'est vrai qu'il se soignait, j'avais oublié qu'il se soignait. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, j'avais oublié qu'il se soignait le con. J'avais oublié. Bah, scruter deux cartes. Allez. Alors, on a vigilance, on peut jouer 6 cartes, donc on peut le faire. Donc on fait déjà 24. Petit changer. Faut juste pas qu'on se vautre dans les points. Faut pas qu'on se vautre, il nous reste 3 spells. Deux spells. Et on peut vigilance. Voilà, on entre dans le calme. On est bien. Bon, pas trop cher quoi. Il lui reste 90 points de vie. Une draw. Ah, on est en mode divin. On est en mode Deva, MDR. On est en mode divin, c'est vrai. Ça fait 10 tours qu'on a notre que le combat a commencé. Donc là, on a gagné 3 de mana et triple de dégâts. Très bien. Au moins, c'est clair. Petit triple dégâts. Elle est une carte. 2 cartes. 3 cartes. Quatre. Jugement qui ne marche pas. Voilà, tu es jugé, escargot. Jugé. Allez, l'ascension 1 terminée. Ah, quel plaisir. Ah, comme 48 522. Ta-da-da. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est par ici, c'est pas non plus à check, mais précédente vidéo sur Spire. A très bientôt tout le monde.